Bonjour, un lieu dédié aux livres ouvert il y a quelques mois à Châteaubriant. Aujourd'hui, Pulseo pose sa caméra à la bouquinerie Au fil des pages, lieu chaleureux, un salon qui fait office de bouquinerie. Au fil des pages, c'est l'idée de deux amis, Géraldine et Pascal. La bouquinerie est d'ailleurs installée dans la maison de Pascal, dans un coin du salon. Vous y trouvez des livres d'occasion à prix modique et vous pouvez discuter autour d'un café ou d'une part de gâteau sur votre dernier livre coup de cœur. Dans cette maison, nous avons créé la bouquinerie Au fil des pages. L'objectif de cet endroit, c'est de faire un endroit accueillant, convivial, où on vend des bouquins, essentiellement des bouquins d'occasion, des romans, des livres de poche, des livres jeunesse, des magazines. Avec Madame Coty, en novembre 2012, nous avons eu la chance de découvrir une bouquinerie à Damgan qui s'appelle Kervoyel, donc chez l'habitant, une bouquinerie adorable où nous avons passé 3 heures un après-midi auprès d'une cheminée avec des gens extrêmement sympathiques. Et l'idée nous est venue, Madame Coty avait cette pièce qui ne servait pas, et elle s'est dit pourquoi pas lancer ce projet. Donc c'est avec Monsieur Coty qu'on a mis le projet sur pied. Donc nous avons vidé déjà nos bibliothèques, qui étaient extrêmement chargées de bouquins, parce que nous sommes de grands lecteurs. Et puis nous avons fait appel aux dons. Actuellement, je pense qu'on doit avoir à peu près 2000 ouvrages, sachant qu'on a une réserve et quelques archives dans notre cave, hein, des bouquins d'avance, on va dire. Donc on a fait une bibliothèque avec un rayon jeunesse, avec des livres de mon époque, avec le Club des 5 et le Clan des 7. Mais surtout, il y a quand même beaucoup de livres jeunesse d'aujourd'hui, hein, que l'on peut trouver encore en librairie, de la science-fiction, enfin, des j'aime lire, etc. Ensuite, pour le rayon adulte, on a des romans, tout ce qui est romans, des livres de poche, on a des bandes dessinées aussi, on a tout ce qui est poésie, géopolitique, des essais, du contemporain. C'est vraiment très très varié. C'est un lieu que l'on veut convivial. Donc l'hiver, nous avons un petit poêle avec une belle flambée, hein, tous les après-midi. Et puis, bon voilà, vous voyez les tapis, il y a les fauteuils. Donc c'est un endroit très cocooning. On peut boire un thé, on peut boire un café, on peut manger un biscuit, on peut discuter et parler haute voix, donc ce qui fait quand même la différence avec la bibliothèque. Alors c'est vrai qu'on s'est dit, pour rendre plus vivant cet espace encore et plus convivial, l'intérêt, c'était d'essayer de faire quelques manifestations. Donc, nous avons 8 espaces muraux où l'on peut recevoir des tableaux. Donc, nous avons fait appel à nos amis amateurs qui peignent. Et donc, ce mois-ci, nous avons 8 tableaux de Valérie de Pontbriand. Et donc, elle a exposé pendant tout le mois ses œuvres. Et à partir du mois de septembre, il y aura d'autres personnes qui vont venir tous les mois porter les tableaux et exposer leurs tableaux. Nous avons eu la visite d'un écrivain de Châteaubriant qui s'appelle Monsieur Tricoire, qui écrit des livres. Il a écrit 3 livres, dont le dernier vient de sortir au mois de juin, qui s'appelle Cader. Et donc, je lui ai proposé de venir soit en septembre, soit en octobre, un samedi après-midi, nous présenter son livre à la bouquinerie pour le faire connaître et se faire connaître. Donc ça, c'est les petites choses qu'on va mettre en place pour rendre le lieu plus convivial et pour que les gens osent pousser la porte, quoi. La bouquinerie Au fil des pages est située 10 rue Gutenberg, ça ne s'invente pas, à Châteaubriant. Ouverture les lundis, mercredis, vendredis et samedis de 14h à 17h15. Et n'hésitez surtout pas à leur faire don de vos livres.